Jamais, tu m'entends? Jamais je n'achèterai tes lampes. Allons, Fovéa, les globus sont dangereux. Ils ont pétrifié Ferdinand, exactement comme dans la légende. Retourne dans ta boutique, j'en ai assez. Désolée, Lodion, je n'ai jamais cru à cette histoire. Fovéa, est-ce que tu réalises que tu fais courir un énorme risque à ton fils? Félix, qu'est-ce que tu fais là? Toi, laisse ma maman tranquille! Les globus n'ont jamais fait de mal à personne et ça n'arrivera jamais, c'est clair? Ah! Excuse-moi, Lodion, mais j'attends de la visite. Oh, bonsoir. Oui, bonsoir! Entrez donc, mes amis! Quoi? Je suis ravie que vous ayez pu venir. Ah ben voilà, ça, c'est de l'accueil, hein. C'est mieux que de se prendre un volet sur le museau. Oh, un doudou tout roux. Tout roux. Tout doux, le toutou. Tout doux, toi-même, hein. Je suis pas une peluche. Je suis un renard. Non. Renard, arrête de faire le clown. Viens, installe-toi confortablement. Désolée, Lodion, mais j'ai des invités. Va donc embêter quelqu'un d'autre. Tu vas le regretter. Je t'aurais prévenu. Allez, allez, oust! Dehors, je t'ai assez vu. Maman, regarde, il est trop mignon. Je parie que tu peux pas m'attraper. Il suffit d'un gâteau pour l'apprivoiser. Tiens, et hop. Elle finira par m'acheter un réverbère anti-globus. J'ai bien réussi à équiper toute la ville. Oh, elle ne te croit pas. Réfléchis. Il existe un moyen de la faire changer d'avis, non?